Game Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Octane Drift. Ben, Hail Octane Drift, ben, vous voyez. En bref, je ne sais pas, non, il y a juste russe anglais. Donc, on se retrouve ici pour que je vous montre un petit peu. Bon, il n'y a rien qui change, hein. Il n'y a pas eu de mise à jour ni quoi que ce soit. Seulement, en gros, il y a eu... En ce moment, je suis au volant. Donc... Ah oui, non, faut faire Evolve. Et... ah oui, c'est là. Et... Local Tandem. Ok. Donc, je vais faire une petite course, en fait, contre un bot. Et vous allez voir que c'est vraiment très très compliqué parce que là je suis au volant en fait. Et c'est encore plus compliqué que ce que vous pensez. C'est vraiment énorme parce que déjà rien qu'à la manette je suis en train de galérer comme un sagouin. Mais là c'est vraiment énorme. Ce jeu est très... Moi j'aime bien. Sur le principe il est très bon. Après il y a encore... des petites améliorations à faire, mais je l'aime bien. Voilà, c'est un bon jeu qui reste à améliorer. Voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est un bon jeu. Il faudrait l'améliorer un petit peu, mais au final, c'est quand même un bon jeu. Hop. Voilà. Allez. Oh. Donc, vous allez voir, les bagnoles partent assez facilement et vu que le volant déjà en plus je suis en 9, ah non ça passe plutôt bien en fait, hein. Mais comme vous voyez ça compte 0 en fait. Oh. Mais le truc qui m'énerve c'est que au final là j'ai fait un joli petit dérapage et tout et il m'a rien compté du tout. Donc ça va être... Déjà pour commencer. Mais la voiture part en sucette assez vite. Et c'est ce qui est un peu dommage. Rien dit. J'ai à peine accéléré. Elle part déjà en sucette. Bon, j'ai toujours les pneus de course de la dernière vidéo. Et c'est énorme. Bon, ça part en sucette. Donc je vais pas gagner cette course. Hein. Mais la voiture part en sucette. C'est un truc de fou. J'ai effleuré le mur. Tout le monde en a rien à foutre. Surtout lui. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce jeu-là. C'est un petit jeu gratuit, au calme. Moi je le trouve très bien, mais bon, on manque un peu de... On a un peu de mise à jour et après c'est encore mieux. Là je pense que c'est le meilleur run que j'ai fait hein, depuis que je joue. En fait j'ai fait deux parties, je crois une ou deux parties.
Mais en gros, le truc, c'est que le jeu est tellement punitif que, parce qu'en gros, c'est, faudrait déjà que j'enlève complètement le retour de force pour que ce soit vraiment intéressant. Parce que la bagnole dérape sans arrêt. Et sans vous prévenir en plus, c'est ça de pire. Sans vous prévenir, elle va déraper et puis tu vas la voir dans le fion. Parce que... Et je crois que par contre là, c'est par contre la première fois que j'arrive à finir le circuit. Et quand je vous dis la première fois, c'est pas la première fois. C'est la première fois que j'arrive jusqu'à l'arrivée. Mais la voiture part tellement sucée que au final, je n'arrive pas à... Non, je suis arrivé, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un problème de je sais pas trop quoi là avec cette connerie. Ah non, il est marqué fini, je crois pas. J'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. Time out, returning garage. Time out? Comment time out? Ok, en fait je viens de me faire baiser mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je le sais rien. En fait. Voilà. Donc je vais pas vous en refaire une, parce que sincèrement c'est vraiment épuisant pour moi. Au final, c'est pas physique parce que j'ai pas beaucoup de retour de force. Mais c'est très chiant. Et voilà. C'est surtout très chiant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Là je suis en train d'en faire pas mal en série. Donc j'ai fait American Truck, j'ai fini la visite de l'Arizona. J'ai où je vais, ça dépend comment je publie la, quand je publie la vidéo. Et aussi j'ai pas encore fini le tournage de My Summer Car. Parce que ça me saoule en fait, il y a tellement de trucs de l'impossible en fait que au final c'est assez chiant. Donc on va essayer de quand même de finir l'histoire, ben, le but de My Summer Car on va dire, et on se retrouvera donc dans le prochain épisode. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était MM Simulator, ciao ciao.